viens pas avec du bon matos ici, tu pètes tout. Moi, ça, c'est des lunettes à 10 balles que j'ai achetées avant de partir. Les deux sont déjà partis. Tu viens avec rien de neuf. Et l'autre chose, c'est que tous les matins, en fait, tu considères que tu es tout le temps à la bourre. Tu es toujours dans le dur, tu as toujours quelque chose à faire, tu as toujours quelque chose que tu as oublié. Et là, c'est préparation du roadbook. Ça, c'est le roadbook. Et ça, c'est les notes qui changent. Donc, il faut faire les modifications sur le roadbook. Le truc, si t'as pas été doué quand t'étais petit en EMT, éducation manuelle et technique pour les plus jeunes, t'es mort. Faire plein de choses avec des ciseaux, couper, décoller, coller. Ce matin, c'est le japonais Junichi Kawamoto, pourtant sur KTM, qui galère visiblement avec son interrupteur permettant de basculer d'un réservoir à l'autre. Mate le sourire du gars une fois la solution trouvée. On aurait pu rejoindre Darla par la tranquille route côtière qui traverse l'ouest de la Guira. Visiter le Trou du Diable, à la sortie d'Akfenir, petit village de pêcheurs, le long des falaises de l'Atlantique. Mais non, direction la piste. Cinquième journée, c'est la bonne parce que en fait c'est assez rapide, tout le sud marocain, avec beaucoup de naves. Et par contre, il y a quand même déjà des tronches fatiguées, tu vois. Il y en a qui sont au bout du rouleau, ils ne veulent plus un caillou ni rien. Ce soir, on arrive, on ne touche à rien, même pas la mécanique. On mange, on va se coucher, on profite et demain, journée de repos, on aura le temps de tout remettre à zéro. Allez, on y va parce que le problème hier, c'est qu'on a fait 13 et 14 avec Amaury. Du coup, on part plutôt ce matin dans l'ordre de l'arrivée de la spéciale. Mais au moment de partir, Enders subit encore et encore la loi de Murphy. Biba vent flingué. Tu crois toujours que tu es prêt à partir et petite crevaison rapide, ça va changer en 2 minutes. Je pense que les mecs de Balmoto apprécient des coups de main d'amour. C'est cool. Hélico, avion, la mécanique bien huilée et rigoureuse de l'Africa Eco Race se met en place. Bon, d'habitude, on est derrière Joe, ça fait un peu bizarre d'être 13 et 14 quand même. Ça te met la pression. Enfin, en fait, la pression, on ne l'a pas parce que tout de suite, on va se ranger, on va laisser doubler, on va faire des images. Merci. En bon camarade reconnaissant, Enders vient nous serrer la main. C'est
c'est bon de se sentir épaulé quand le sort s'acharne. Spécial 450 km, liaison 240, c'est une bonne journée. Premier CP à 126, deuxième à 184, essence à 249. Ça t'aide dans la journée à avoir des repères et à avancer. Bonjour messieurs. Bien le bonjour. Tout va bien? Écoute, c'est le bonheur, on a de la chance de faire ça. C'est marrant, mais je n'ai connu ça qu'en rallye raid ou en rallye routier. Ce petit mot, cette petite attention qu'ont toujours les officiels à ton égard. Sans doute, l'extrême conscience de la dangerosité de cette discipline. Eh ouais, on est dans les 20 premiers, c'est départ toutes les 30 secondes. Les 10 premiers, c'est toutes les 2 minutes. D'accord. Les 10 suivants, c'est toutes les minutes. D'accord. Et après, c'est 2 par minute. D'accord. Ah, donc c'est toutes les minutes, ok. On est séparés ce matin. Faut que j'arrête de rouler trop vite. Si tu veux qu'il ait plus d'avance, il faut être dans les 10 premiers. Ouais. Merde, ça fait bizarre d'être tout seul. Entraide, malmoto, hélico, GPS. Tout ça me fait penser à certains discours qui voudraient que désormais, le rallye raid ne serait qu'une mascarade encadrée d'hélicoptères et de satellites remplis de faux souffrants. Sur fond d'image, je vais te donner le fond de ma pensée, qui n'est jamais que celle d'un amateur de derrière et qui vaut ce qu'elle vaut. En fait, le Dakar est né en 1980 de l'esprit de compétition de Thierry Sabine. 2 ans plus tard, en 1982, les fameux hélicos apparaissent déjà. Un bleu, celui de Sabine, un blanc, une petite alouette d'évacuation sanitaire, déjà, et un hélico prise de vue. Tu vois les hélicos, ce n'est donc pas neuf. D'ailleurs, ce n'est qu'en 1983 que Sabine décide que l'esprit d'expédition doit prendre le dessus sur l'esprit de compétition des premières éditions. Cette même année, soit 3 années seulement après la naissance du Dakar, les privés s'avouent déjà dépassés par la vitesse folle de ce rallye et parlent d'un besoin d'assistance, déjà. « 42 ans plus tard, sur l'Africa Eco Race, je me suis donc demandé ce qui avait changé, ou pas. » Les hélicos sont toujours là, et exactement pour les mêmes raisons, comme avant. Ok, les balises satellites sont apparues, mais elles permettent d'emmener la caravane au cœur des dunes, sur des pistes inconnues, vers des coupes au cap, où il était auparavant impossible de s'aventurer, sous peine de perdre tout le monde.
les motos sont plus performantes, mais elles demandent aussi plus d'entretien. Un point d'ailleurs mis en avant par les héros de la catégorie mâle moto, qui doivent tout faire sans aide extérieure. Et puis tu vois, les roadbooks des tout premiers Dakar, c'était 4 notes sur 700 km. Là, tu te dis forcément, ils se perdaient. Bah non, il n'y a avec une seule piste pour aller à Taman Rasset. Et surtout, n'oublie pas que sur une moto de rallye raid, tu n'as pas de trace GPS. Ce n'est pas une trace que tu suis, mais toujours, bel et bien, un roadbook avec des indications, mais aussi des waypoints à trouver, parfois masqués et très difficiles à valider. Loin de moi l'idée d'ôter l'esprit d'aventure qui animait les pionniers absolus des tout premiers rallye raids, mais pour moi, chaque époque ses héros. Et sur cette Africa Eco Race, derrière, dans les tréfonds du classement, l'aventure existe toujours. Se perdre sur un Africa Eco Race est encore très largement possible. Même si aujourd'hui, il n'est plus acceptable de perdre définitivement quelqu'un. Pas à la faute au pilote, mais à l'évolution de la société. En mosquée, ça serait la petite qui est là-bas ? Ouais. Mais j'avais vraiment l'impression d'être calé, hein. Voilà, voilà, ce n'est que mon avis. Et puis, même en course, libre à toi de prendre ton temps d'imprimer la philosophie que tu veux, de tracer ta propre aventure, d'arriver tard si tu le souhaites. Par là, c'est la course. Je suis le seul à m'arrêter, c'est juste magnifique. Il y a un point d'eau au milieu d'un shot avec des chameaux ou des dromadaires et c'est juste extraordinaire. Tiens, je te montre, les concurrents qui arrivent. Tu vois, hier, j'étais 14e. En fait, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est quand même plus important tout ça. Faudrait inventer un autre style de rallye raid où ton temps dans la journée sera important, mais celui qui ramènerait la plus belle vidéo et qui raconterait la plus belle rencontre, et ben il sera crédité de temps dans sa journée, tu vois. Et je pense que je gagnerai le rallye. Bon, je dis ça, mais la seconde d'après, j'aime bien essorer la poignée de gaz. Thank you.
Enfin, la galère existe encore largement. Tiens, pose un petit marécage en plein milieu du tracé. N'ayant aucune contrainte de temps, je te fais vivre en live nos petits problèmes d'orientation. Là-dessus, là. Vous cherchez la petite maison, là. Ouais. Je la vois pas. Oui, c'est bien ça. Faut aller de l'autre côté. Mais comment ? On a tourné 10 bonnes minutes avant de trouver la sortie de ce labyrinthe. Derrière, la situation devient rapidement épique. Avec des concurrents qui s'embourbent. D'autres qui noient leur moteur. Ne me dis pas que ces images ne t'évoquent pas les Dakar de la grande époque, quand même. Kilomètre 240. Si t'es bien calé avec moi sur ton roadbook, depuis ce matin, le camion essence est bien là.
quand je suis toute seule. Eh oui, tu vas voir, mon ami, il est tombé dans l'eau. Eh oui. Il a rentré l'eau dans le moteur. Nous avons fait prouver à faire repartir. Amaury fait remonter une petite erreur sur le roadbook. Et le DTW, c'est le DTW qui doit décoller. Bah non, mais nous, si tu préfères, on s'est mis à 250. Ouais, mais dans le GPS, ils ont dû enregistrer 350 mètres. Tu peux mettre ça pour la moto, s'il te plaît. On va te faire aller pour plus le loin. Ouais, en fait, c'est ça. Nous profitons, un bien grand mot, de nos 15 minutes de neutralisation. De quoi donner lieu à un incroyable dialogue de sourds. Par contre, si on se repaume, on attend un peu, comme tu fais, moi je t'ai pas vu arriver. On se rejoint au prochain CP. Quoi ? Pas... Toi aussi, quoi ? J'ai filmé les mecs en train de passer, j'ai... Donc, on se trouve, ouais. L'avantage au CP, il note les numéros, tu vois, ouais, ça, ouais. J'ai pu demander, je savais que t'étais pas passé. Ouais. Ça laisse songeur, un tel échange. En même temps, je crois que... Je suis pas ce matin. Du coup, on s'en est pris aux autres. C'est bien mieux. Le buggy, là, il a fait n'importe quoi. Il fait demi-tour, il repasse. Moi, ouais, j'ai laissé passer. T'as combien de kilos? T'as bien... Ah, un petit 10, va. Allez. Allez, bouge-toi. C'est reparti. Nous longeons de près la frontière algérienne et les très nombreux postes militaires. Le sud marocain est propice aux très hautes vitesses, tête bien en avant, l'avant de la moto qui gigote et l'arrière qui balaye. La sensation d'y être plus que jamais.
km 450, sortie de spécial. Je pouvais plus naviguer. Je pouvais plus naviguer. J'étais plus où j'étais. Pourquoi? Avec les allers-retours, j'ai dû faire. J'ai jamais réussi à me recaler. Ah ouais? Non? Et tu n'avais pas confiance? En fait, quand je te voyais slalomer, je disais, moi je peux pas l'aider, je sais même pas où on est. Non, c'est le temps que je chope le cap. En fait, j'avais pas la moindre idée d'où on était. Moi, je viens de vider pile mon réservoir arrière. Moi aussi. Donc, il me reste 15 litres, 240 bornes. On va pas faire l'essence tout de suite. Par contre, je sais pas si j'en ai pas pris un peu. J'ai basculé, moi, je sais pas. Par contre, la suite, tu l'as quelque part? Hein? La suite du roadbook. Magique. Putain, c'est fou, j'ai pas réussi à me recaler une seule fois. J'ai bien reconnaître leur piste, j'ai pas reconnu, il y a un tout petit. C'est pas évident. Ah, c'est horrible de rouler à vue. Hein. Quand t'es perdu. Perdu et la vague impression d'être passé aujourd'hui à côté de notre mission d'entraide. Lorsque là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sortent de la pâte à souder. Ah non. Hein? Ah, mais il y a. C'est pas ça. Enders, on va peut-être. De quoi? Il a un souci. Enders a de nouveau les deux mains fourrées au cœur des entrailles de son Husqvarna. What's wrong? On va y aller. Tu vas le voir ou? Ouais, mais je sais pas, il nous rend pas nos cartons. Tu nous rends pas les cartons? Oui, attends, mais on a plus d'informatique, il faut le faire à la main. Moi ça me dérange pas, tu peux le garder hein. Non. Merci. Merci. On va quand même aller voir Enders, non? Ouais. Juste avant, on a trouvé un autre client. T'as besoin de quelque chose? En fait, j'ai perdu un boulon aussi. Ouais. Comme c'est de la route, maintenant, ça devrait le faire. Je crois que dans la malle, je devrais avoir un boulon. Mais. Et des gros risans, si tu veux, des larges, peut-être? Ah, je veux bien, ouais. Parce que j'ai que ceux-là, ils sont. Pardon. Ah, j'en ai plus qu'un. Eh. Alors, le dernier. Ah, top. Et je t'en rendrai un. J'en ai la malle. Quand je l'ai entendu passer au CP1 ce matin, c'était pas bon signe. Il est encore en train de faire l'injecteur. T'es encore de l'eau ou pas? Oui. Tu veux que je le tienne, Maurice? Il est où, moi? Non, le moins. Où ça? Je le vois pas. Non. Ok. Ah, it should work because it's just an injector. Okay. Le mettre sur le moins? Ouais, je suis dessus. Là. Yeah, I can hear it. X-ray again? Là. Attends. Remove your knee. C'est bon, je suis dessus. Pressure is good, injector is good. At CP1, it was already malfunctioning, no? It was pop. Cannot be the ECU. No. T'avais pas tort, hein, quand tu commences dans le dur, ça s'enchaîne. C'est là qu'elle prend feu. Okay. J'essaye d'alimenter l'injecteur, la pompe à injection en direct. Solution de la dernière chance. Ouais. Après ça, s'il en reste une, après c'est la corde. Pour se pendre? Non, pour se tirer. C'est con, moi je serai à sa place. Je sais pas si je pourrais tirer. Je préférerais la pendaison. Mais c'est mal connaître Enders.
s'il abandonne, s'il ne donne pas tout, il sait qu'il n'aura plus qu'à aller jouer au golf. And us? Will you try golf? Never. Alors Enders et Amaury ont insisté. La meule d'Enders est encore en panne. On est au pied de la cinquième spéciale à la fin. Et il a fini à 5 km/h. Donc on a dit qu'on dépannait, on dépanne. On attend, il nous reste 250 bornes de route, mec. Et il fait 40 degrés. Moi, j'ai profité de cette parenthèse pour me mettre au cœur du spectacle. Et en fait, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est qu'au lieu de le regarder tard à la télé, il n'y a pas de décalage horaire, tu le vois comme ça en direct. L'hélicoptère qui arrive, le CP. Toi, t'es pas emmerdé d'attendre jusqu'à minuit, que les monteurs fassent leur travail et tout. Du coup, le mieux, c'est quand même que tu t'engages et que tu fasses l'Africa Eco Race. Au moins, tu peux tout voir. Même le cadreur. C'est une connerie, mais... Une connerie qui finira par être mise à jour à force d'obstination. Voilà, voilà, t'as toujours le droit de penser que tout ça n'est qu'une mascarade. ...240 km plus tard, nous rejoignons Darla, qui baigne dans une étonnante lumière d'un soleil qui refuserait de se coucher. Darla, ville de bonheur, de plaisir, de vacances. J'ai survécu au Maroc, c'est déjà pas mal, non ? Reste les 50 degrés de la Mauritanie. Voilà, donc on verra, hein. On va se reposer un peu. Nos pneus, ils n'ont pas résisté au Maroc. Putain, on a un problème de pneus, si t'en as, envoie. Hein. Enders arrive enfin, limite en panne, à nouveau. Tiens, il y a une activité du soir que j'ai oublié de te présenter sur un rallye raid. L'activité jardinage. Le premier truc que tu dois faire le soir quand tu rentres, c'est pas t'occuper de ta meule ni quoi ni qu'est, c'est passer un coup de râteau pour pas dormir sur les cailloux. Hey, même le keum là qui a gagné la spéciale aujourd'hui, il est obligé de mettre des cailloux sur sa tente et tout ça. Ah, c'est bon d'être pilote officiel. Hein. Ah ouais. T'as fini de t'amuser ? Attends, un coup d'électro là. Allez. Allez, amis du club de la poésie, à demain pour la mal nommée journée de repos. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around.